la Confédération internationale de lutte contre la délinquance et les crimes spirituels et le ministère de la Compassion des âmes, MCA, organisent un puissant moment d'orientation prophétique, de délivrance et de restauration des âmes avec le prophète Joël Crasso, maréchal de la brigade anti-sorcier. Thème: comment être délivré des liens de la sorcellerie? Tu souffres des œuvres de la sorcellerie? Envoûtement, paume sèche, manque de stabilité, longtemps tu es dans les liens et tu ne comprends plus ce qui t'arrive. Tu as énuméré un certain nombre de projets à réaliser pour l'année 2018. Viens expérimenter la puissance du Dieu vivant pendant ce moment de prière. À Divo, derrière la CNPS, tous les jours suivis de rencontres prophétiques. Contact 32 76 38 90 47 07 23 28 07 92 99 11. Que Dieu te bénisse. Nous allons prier pour la parole de Dieu. Seigneur, merci pour ta parole. Merci de nous bénir. Merci de nous faire du bien. Au travers de la parole, que la gloire et l'honneur te reviennent. Merci de nous faire du bien. Thank you for doing us au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. 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 Je vais parler de l'immaturité spirituelle qui permet aux sorciers de détruire. Allow the sorcerers to destroy. To destroy God's. Ce qui permet aux sorciers de détruire un enfant de Dieu, ce sont l'immaturité. Je vais parler. Le thème, c'est l'immaturité. L'immaturité spirituelle permet au diable de détruire un enfant de Dieu. La Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Le jour où nous acceptons Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, nous devenons enfants de Dieu. C'est ce que la Bible dit. Le Seigneur dit, qui d'entre vous donnera-t-il une pierre à son fils s'il lui demande du poisson? Si vous savez donner des bonnes choses, à plus forte raison lui, c'est pour dire que Dieu, le jour où nous acceptons Jésus, nous devenons enfants de Dieu. Et si nous sommes enfants de Dieu, nous sommes sous la protection du Seigneur. Nous sommes sous la protection du Seigneur. Mais pourquoi toi tu es enfant de Dieu? Et puis le diable, and the devil, il gagne du terrain chez toi. Is in your house. Pourquoi toi tu es enfant de Why Dieu? Are you the son of God? Tu viens à l'église, tu pries, tu jeûnes, tu prêtes ta vie. Et le diable, il gagne du terrain sur ton territoire. Is on your territory. En anglais, on dit that discussion. That is the question. Tu dois te poser la question. You must ask yourself. You must ask the question why. Immaturity, unrightness. Like a child becomes immature. And then on ne peut pas confier nos responsabilités à un enfant immature. Parmi les enfants, celui qui est moins intelligent, on ne peut pas lui confier nos responsabilités. But we cannot give him a responsibility. Il y a les gens qui sont là qui ne sont pas immatures. The people here. On a peur de leur confier nos responsabilités. We're afraid to give them some responsibility. C'est l'immaturité. This is unrightness. Qui fait que les enfants de le diable gagne du terrain dans votre vie. That's why the devil is having some place in your life. Amen. Amen. Nous allons développer ce que je dis. Let's develop what I'm saying. Amen. Et qu'est-ce qu'on appelle immature? What do we call unrightness? Parce qu'il est parlé de l'immaturité. Because of talking about. Quand quelqu'un est immature, ça veut dire qu'il n'est pas mûr. Ça veut dire mûr. He's not wise enough. Je me dis, mais ça veut dire quoi, quelqu'un qui n'est pas mûr? What does it mean to one who is not wise? Qui n'est pas sage? Yes, one who is not wise. Qui ne sait pas ce qu'il veut? Who doesn't know what he wants? Qui ne connaît pas son droit? He doesn't know his rights. Qui ne connaît même pas son droit? He doesn't even know his rights. Il est dans une maison d'être comme un esclave. In a house like a slave. Amen. Amen. Nous allons prendre la parole de Dieu. Matthieu 7, le verset. Matthieu 7. 7, le verset. 7, le verset 16. Écoutez-moi très bien. Cette année, nous allons donner des messages de pointe. Cette année, c'est des messages de pointe.
L'immaturité veut dire quelqu'un qui n'est pas mûr. Le Matthieu 7, verset 16. Matthieu, le chapitre 7, verset 16. Écoutez très bien. Version parole de vie. Vous les reconnaîtrez en voyant ce qu'ils font. Amen. Amen. Comment reconnaître quelqu'un qui n'est pas mûr? On le reconnaît au travers du fruit. You know him from his fruit. Et la version parole de vie dit, vous les reconnaîtrez au travers de ce qu'ils font. Donc l'immaturité, c'est dans le comportement. The unripeness is in the behavior. L'immaturité spirituelle, c'est dans la manière de faire. Quand on reconnaît quelqu'un qui est immature, je vais énumérer pas mal de choses tout à l'heure. Say three things. C'est le fruit. The fruits. Le Seigneur a toujours parlé du fruit. The Lord always. Et quand il y a un arbre, c'est le fruit. C'est à partir du fruit. The fruit apart from quand on reconnaît l'importance de l'arbre. The importance of the tree. Si on veut reconnaître l'importance de ta chrétienté, c'est le fruit qui se dégage au travers de ta vie. It is the fruit. Si on veut reconnaître en toi un enfant de Dieu, c'est le fruit de ta chrétienté qui va permettre aux gens de dire, ce qui est là, c'est un véritable enfant de Dieu. Son of God. Allons-y le verset 16, la version, non, la parole de lui, c'est bon. Est-ce qu'on me suit un peu? Est-ce qu'on me suit un peu? Do you follow me? Il y a des gens qui sont tombés dans les pièges de l'immaturité. C'est ce qui fait que le diable a beaucoup accès à votre vie. Il joue sur votre territoire. Il fait ce qu'il veut de vous. Il dit on les reconnaîtra au travers de leur fruit. Au travers de ce qu'ils font. Matthieu, chapitre 7, version Louis II. Mm. Vous les reconnaîtrez à leur fruit. Quel ton est restreint? Sur des épines ou des figues, sur des chardons, tout bon arbre produit, tout bon arbre porte de bons fruits. Très bien. Mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Très bien. On dit le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Donc, quelqu'un qui est immature, someone is not wise, son comportement n'est pas bien. Not et cette personne, on ne peut pas lui confier des responsabilités. Il n'est pas dit de porter le nom du Père. To have God's name. Parce que le fruit qu'il dégage, on sent l'immaturité dedans. Un immature peut lui confier la responsabilité d'une personne. C'est ça que la Bible dit qu'on le reconnaîtra par le fruit. That's why the Bible says that we shall know that you quand quelqu'un est immature, la personne déprime when this person is not wise, quand quelqu'un est immature sur le plan spirituel, en face de quelque chose, in front of the situation, la personne tombe. This person can be there. Un fruit qui n'est pas mûr, si un arbre, quand il y a un vent, il tombe. Le fruit tombe. Fall down when there is wine. Quand il y a un vent, le fruit tombe. The fruit can fall down. C'est l'exemple de quelqu'un qui est immature. It is the la personne a porté par tout vent. Alléluia. At any time of the wine. Et pour voir l'importance du fruit, to see the importance of the fruit, il faut connaître la force de l'arbre. You need to know all the fruit. C'est la force de l'arbre. The strength of the fruit. Est-ce qu'on peut voir Jean le chapitre 15 à partir du verset 15, verset 1 to verse 8. Je suis en train de vous donner un message de point ce matin. Jean 15, le verset 1 jusqu'au verset 8. Jean chapitre 15, du verset 1 au verset 8. Version parole de vie. La vraie vie, c'est moi. Et mon Père est le vigneron. Il enlève toutes mes branches qui ne donnent pas de fruits. Vous comprenez? Jésus dit qu'ici, lui, il est le vigneron, le propriétaire de la vigne. Il dit, toute branche qui ne porte pas de fruits est arrachée. C'est ce qu'on a dit. Donc, ça veut dire, si toi, tu es enfant de Dieu, que tu ne portes pas de fruits, il faut être convaincu que tu seras étranché parmi les enfants de Dieu. Jésus à un moment avait faim. Jesus at a certain time was afraid. Il va vers l'arbre, il ne voit pas de fruit, il a maudit le figuier. That he cursed the tree when he didn't find some fruit. La force d'un arbre. The strength of
tree, c'est cette capacité de produire. Is this ability to have some fruit. Et donc si toi tu ne produis pas de fruits, you don't produce some fruits, c'est sûr, it's sure, que tu seras retranché be taken out de la famille de Dieu. From God's family. Or, but ce qui fait la force, what is the strength de là, of the tree, c'est sa capacité, it is the, its ability d'aller s'abreuver, to go and take some water. La force d'un arbre, the strength c'est pas the tree is not la force d'un arbre, the trunk, ce sont les racines, but this, the roots. Le seul problème, the only problem, que à quelqu'un, celui qui est immature, that someone who is not wise, il n'est pas alimenté. It's not filled. Ça dit qu'il est sans eau. It's not filled. It's without water. L'eau est très importante pour chacun d'entre nous. Water is very important for all of us. Vous savez ça un peu? Amen. Sans l'eau, on n'est rien. We're nothing without water. Dans la création, Dieu a séparé les deux couches d'eau. On dit l'esprit mouvait sur les eaux. God's spirit. On a séparé l'eau qui était de l'autre côté en haut et l'eau qui est en bas. Water in the heaven, ça partit de l'eau qui est la vie. Apart from water, la capacité mind, de l'arbre, the ability of a tree, c'est cette force, is this strength d'aller puiser to dans go check water au travers des racines. Through the ce qui fait que les gens soient immatures. What makes people not wise? Right. Ils ne peuvent pas s'abreuver. They cannot take water themselves. Il y a ce qu'on appelle, n'est-ce pas, ils sont désiratifs spirituellement parlant. Il n'y a plus d'eau en eux. No more water. Oh, l'eau, vous voyez, c'est source de vie. Water is source of life. L'eau, c'est source de vie. Water is source of life. Jésus pouvait dire, Jesus could say, à cette femme, to that woman, Samaritaine, Samaritan woman, source de vie, source of life. Ce qui fait que les gens sont immatures, what makes people not wise, ils ne s'appuient pas sur Jésus. The strength of something. What man immaturity is the life of the Christ? Is that we don't focus on the Christ? This makes them that they don't have water there. And now a tree commence à avoir des prières jaunes. Starting having some problems. Yellow leaves. It means there is immature feeding. J'ai un problème d'alimentation. There is a matter of feeling. Or, la parole, vous where voyez, Jésus-Christ est la parole faite chair. La parole, vous voyez, le seul problème que vous avez qui crée cette immaturité, c'est pas vous. It's vous allez vous abréver dans to la parole. And take water for the Christ. Ce qui fait que vous ne produisez pas de fruits. What makes that you don't produce fruits? Vous ne pouvez pas. Because you cannot. Vous ne passez pas du temps. You don't spend your time reading. Vous ne passez pas du temps. You don't spend your time. De vous abréver au travers de la parole. Taking water through God's word. Combien sont ceux? How many people here? Qui s'alimentent avec la parole de Dieu? Feed themselves God's word. Il y en a combien? How many people? Combien sont ceux qui ont touché la Bible cette semaine? How many people? Il y en a combien? Touched the Bible this week. How many? Amen. Amen. Il y en a combien? How many people here? Everyone here? Ce qui fait que vous êtes limité. What makes you limited? Parce que vous n'avez pas la capacité de savoir que quand il y a un problème que vous arrive, when there is a problem il faut aller prendre quelque chose de la parole in God's word to be filled. Quand quelque chose vous arrive, il faut s'appuyer sur la parole. You must focus on the word pour agir. To act. Les gens ne savent pas comment résoudre les problèmes. How to solve the troubles, the problems. Parce qu'ils sont loin. Because they are far de la source. From the source. C'est là, c'est les branches. Here is the branches. Il n'y a plus d'eau. But no more water. Oh no. C'est la parole de Dieu. It's the word of God. Ceux qui voulaient quitter l'état de l'immaturité à l'état de la maturité. Of maturity, il faut pas que vous vous alimentez la parole de Dieu. To feed with God's words. La Bible est considérée comme une source d'eau. Source of water, of life. Comment vous pouvez vivre votre vie? How can you live your life sans l'eau? Without water.
Ça veut dire, vous ne lisez pas la parole de Dieu. Read God's Bible, God's word. Vous ne mettez pas l'accent sur la parole de Dieu. You don't focus on God's word. Quand quelque chose vous arrive, vous êtes arrêté. Regardez ce que la parole de Dieu nous dit. S'il vous plaît, regardez ce que la parole de Dieu nous dit. Dans les choses, le psaume, le chapitre 1, verset 1 à 3. Regardez ce que la Bible dit. On va lire avant de lire la parole de Dieu. Ça va permettre aux gens de comprendre un peu. Le psaume, le chapitre 1, le verset 3, verse 3, from verse 1 to 3. Psaume chapitre 1, à partir du verset 1 à 3. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Alléluia! Regardez, il dit qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Son plaisir quoi? Mais répondez-moi s'il vous plaît. Dans la loi de l'Éternel. Dans la loi de l'Éternel. Où est la loi de l'Éternel? Montrez-moi la loi de l'Éternel. Qui trouve son plaisir. Ça dit son plaisir, c'est dans ça. Ça dit son plaisir. Vous voulez comprendre? Ça dit, lui, son plaisir, c'est ça. C'est là qu'il trouve son plaisir. Il trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Regardez ce que la Bible dit. Regardez ce qui est intéressant. Et qu'il la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté. Alléluia! La Bible le dit, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison. Alléluia. Qui donne son fruit en sa saison. Fruit en sa saison. En sa saison. Et dont le feuillage ne se flétrit point. Dont le feuillage ne se flétrit point. Que Dieu te bénisse. Je vous écoutais ça. If you listen to this word. Et que vous me disiez cette parole. And then you think about it. Le problème de l'immaturité dans notre vie. Veut dire. Jamais on ne s'appuie sur la parole. Never we focus on the word. Jamais on ne lit la parole de Dieu. Jamais on ne s'intéresse à la parole de Dieu. Jamais on ne prend plaisir à la loi de Dieu. We follow God's. Si la parole de Dieu word, n'est pas pour toi une source d'alimentation, feeding, tu vas sécher. Que le diable va te détruire. La force de Jésus, Jesus, c'est cette capacité de dire au diable, à rien de moi. Back. Car il est dit. Amen. Written, il y a des gens qui ne peuvent même pas donner un verset biblique parce qu'ils sont fils. Ils n'ont qu'un verset biblique dans leur tête. No, ils n'ont que la Bible pour l'oreiller. Only the Bibles. Psaume 35. Il met sur sa tête. Five. Et puis d'ailleurs il part sur le psaume 35. And then, le passage est déjà déchiré. The passage is already torn. Jésus a été tenté. Jesus has been tempted. Toute fois qu'il était confronté à une tentation, il était alimenté as he was feeding with par l'eau, water, la source, the source. Il disait toujours pour dire, taking water away is to say, il est écrit, it is written, it is said. Qui dans ton nom, qui who parmi vous, et mon Dieu, se lève matin, wake up, et qui lit la parole de Dieu, and reads God's word. Moi, je lis la Bible plus de 20 fois. I have read the Bible more than 20 times. Qui la médite? Réponds-moi le verset, le psaume. Le psaume chapitre 1, le verset. Psalm. Le verset 1 à 3. Regardez ce qu'il a dit. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Et qui la médite jour et nuit. Il la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Il est près d'un arbre planté contre un courant d'eau. Qui donne son fruit en sa saison. Qui donne son fruit à sa saison. Et dont le feuillage ne se flétrit point. Si vous ne produisez pas de fruits, vous serez retranchés. Le plan de Dieu, c'est que vous allez des fruits. Le Seigneur vient ne voit pas de fruits en toi. The Lord doesn't see some fruit in your life. Y a pas de fruits. No fruits.
Il n'y a rien de fruit de la chrétienté en toi. Tu ne produis pas de fruit. Quand le figuier n'a pas produit de fruit, Jésus a maudit le figuier. Vous n'êtes pas béni parce que vous ne produisez pas de fruit. Vous êtes immatures. Or, après la maturité, il faut s'appuyer. Must focus. Les gens préfèrent aller dans les bars. Les gens préfèrent aller dans les bars. Les gens les préfèrent pour n'importe quoi que de lire la parole de Dieu. Instead of reading God's word. Mais si vous ne vous abrivez pas, vous n'êtes pas prêt à souffrir. Près du courant d'eau. Mais vous allez faire. C'est ça le problème. Of the problem. Rien en toi. Il n'y a plus de vie en toi. Nothing. No more life in you. Il n'y a plus d'eau en toi. The water. Jésus-Christ à la croix. Jesus Christ. Pendant qu'ils ont percé le côté de Jésus. Qu'est-ce qui est sorti de son côté? C'est de l'eau. Water came out from his body. What was on the cross? C'est pas vrai. Right, c'est pas le sang, c'est l'eau. No, comment? C'est l'eau qui a jailli d'un côté de Jésus. When I came out from the il avait l'eau en lui. Of Jesus. Amen. Jésus avait l'eau en lui. L'eau, c'est la parole. Il avait l'eau. Bien qu'il soit en train de mourir, qu'ils ont perdu sur son côté, l'eau est sortie. Il n'y a pas d'eau en toi. No water in you. Alors, quand tu les écoutes, tu sais que lui là. Il dit les chrétiens, il est immature. Parce qu'il ne sait pas, il est perdu. Because he's lost. Face à une attaque, il est perdu. Face à une situation, il est perdu. Facing the situation, he's lost. Il ne sait pas ce qu'il fait. What he's doing, he's lost. Tu ne produis pas de fruits. You don't produce. Si tu ne considères pas. God cannot consider you. Si vous voulez être ami de Dieu, if you want to be your friend, vous devez produire des fruits. You need to produce some fruits. Et pour produire des fruits, to produce some fruits, l'arbre, the tree, sur les racines, must have some roots. Et les racines prennent the roots will take some water. What the racines? Where are the roots taking water from? En s'appuyant, to focus sur source d'eau vive qui est Jésus-Christ. Source of life, Jesus Christ. Frère, brother, vous devez grandir. You need to grow up. Si aujourd'hui, if today, je n'avais pas tenu ma maturité. Right. Face à l'attaque que j'ai reçue, j'allais succomber. I could have been done. Peut-être j'allais paniquer. Because. Mais comme je sais, je connais la Bible. And il était vraiment la guerre. The Bible. Il n'était vraiment pas. Fight, you don't stand up for the country. Je vais verser là. That in my mind, I have this verse on my mind. You need to be back. À un moment, on composait les gens, on a l'impression que ça va. We have to discuss with people. People have the impression that they have no. Et ça les intéresse même pas. To be checked. Il dit tout arbre qui ne produit pas de fruit sera coupé et jeté. But cannot produce some fruit will be cut down on the throne anyway. Nous sommes tous des branches. We all are some branches, some trunks. Et si toi tu produis pas. But if you don't produce. Dieu te coupe. Il n'a pas besoin de toi. He doesn't need you anymore. Allons-y le chapitre 5. Chapitre 5. 15, verset. L'évangile des gens. Pourquoi Dieu ne vous bénit pas? Parce qu'il ne peut pas vous confier une responsabilité. Parce que vous êtes immature. Because he cannot give you a responsibility. Because you are unripe. Rien de bon. Nothing. Pas de fruits. No fruits. Rien de bon. Rien de spiritualité. Dans votre langage, dans votre manière de parler. À peine vous lisez la Bible. À peine. Vous intéressez aux choses de Dieu. À peine vous intéressez aux choses de Dieu. You don't even read the Bible. Mais vous allez mourir. But you're gonna die. Parce que s'il n'y a plus d'eau, vous allez mourir. Vous allez sécher. Et ça donnera raison au diable de vous battre. Right to the devil to fight you. Allons-y. Jean le chapitre 15 à partir du verset 1. Je suis le vrai cèpe et mon père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Très bien. Et si tu es en Jésus que tu ne portes pas de fruits, il va te retrancher. If you are with Jesus and don't have some fruits, it's going to take you away. Out. Et tout sarment qui porte du fruit, il le monte afin qu'il porte encore plus de fruits. Plus tu portes de fruits, plus t'intéresse le Seigneur. Have some fruits, plus tu ne portes pas de fruits, je te retranche. But if you don't, déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au cèpe,
Ainsi, vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Amen. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Très bien. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Alléluia. En qui je demeure porte beaucoup de, fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Amen. Alléluia. On est immature. And on rhyme. Parce que. Because. On n'est pas mûr. Because we're not wise. On n'est pas mûr parce qu'on n'est pas alimenté. Because we're not fed. On n'est pas alimenté parce qu'on n'a pas d'eau. We're not fed because we don't have water. On ne sait pas où s'appuyer pour avoir de l'eau. Where to focus to get water. Oh, le chrétien. But the Christian. L'eau de vie, c'est la parole de Dieu. Source of life is combien sont ceux qui lisent la Bible? How many people read the Bible? Combien sont ceux qui s'appuient sur la parole de Dieu? Combien sont ceux how many people qui agissent en fonction de la parole? Acting according to God's words. Faut que Dieu nous aide. God must help us. Amen. Amen. Si vous ne produisez pas les fruits, if you don't produce vous serez retranchés. You'll be taken out from the tree. Et c'est ça. Et les gens qui sont là, ils sont déjà retranchés. Already taken out. Ils sont là du nom. The way, the presence. Petit problème. C'est pour ça que le diable vous attaque. We see what trouble. Parce qu'il sait que vous attaquez. Vous n'avez rien en vous. You have nothing. Il peut le retenir. Si moi je vous explique, mec, les capacités d'attaque que le diable fait. C'est parce que je suis mûr. Tactics, the tactics. Donc je peux contrôler. Because je peux regarder le diable. I can control the Lord of the devil because you can nothing focusing on God's word. Because I have never God's word in me. How many people are interested in the Bible? How many people are interested in the word? Let's do that. And you say to the Lord, I would like this year reach maturity. Que les choses, mais thanks. Te concernant, les choses de Dieu puissent m'intéresser. Let's go. Let all things interest me. De m'intéresser aux choses spirituelles. To be interested in the spirit of things. Nous levons tous les mains. We all raise our hands up. We pray. Nous prions le Seigneur. We pray the Lord. Il faut que nous conduise à une dimension. He must guide us to a certain dimension, so that he can reap us. Et une maturité spirituelle. Et que nous soyons chaque fois en train de nous attirer avec la parole de Dieu. Seigneur, merci. Thank you, Lord. Merci. Thank you. Agir. For acting. Que de te manifester dans nos vies. Demonstrating in our lives. Que la gloire, Seigneur. Glory to you, Lord. Merci. Thank you. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Please be seated. Que Dieu nous aide. May God help us. Je vais poursuivre et développer sans parler le dimanche prochain. I'll continue next Sunday. Si vous êtes mûr, if you are wise enough, il sera difficile. It will be quite difficult. Le diable de vous vaincre. The devil to reach you. Or, pour atteindre une maturité. But before reaching maturity, it is the Bible. Il y a des gens qui n'ont jamais lu le Nouveau Testament. People have never read the New Testament, just one time. Ça n'a jamais intéressé. They have never been interested. Mais si tu ne connais pas la parole, but if you don't know the word, le diable va toujours t'attaquer. The devil can always attack you. Vous savez ce qui a fait que David a été fort? You know why David was strong enough? Qu'est-ce qui a fait que David a vécu Goliath? What makes David to overcome Goliath? Qui peut me dire? Who can tell me? On ne connaît même pas ça. We don't c'est quel chrétien on est? What kind of Christian we are? Je vous demande si Rangel arrivera. Mais vous êtes trop. Si la arrivera, on s'était trop. À Bobo, là, ils vont répondre. Ici. Here. Qu'est-ce qui a fait what makes que David a tué Goliath? David overcame foot. Non, il n'a pas Goliath. Ici, ici, ici. David a dit qu'il est en Dieu. Hein? Il est en Dieu et qu'il combat pour Dieu. Hein? David a dit qu'il est en Dieu. Il said that he was with God. C'est avec l'aide de Dieu. So his fight was fighting with the help of God.
May God bless you. Qu'est-ce qui a fait la force de David? What makes David so? Ouais. Hey, monsieur, ça va? Ce qui a fait la force de David, c'est que David, au moins, il était berger quand il partait en bourse, il combattait avec. Oui, c'est bon, mais ce qu'il a fait, c'est l'expérience, il avait les autres. Il a su utiliser l'âme qu'il fallait. Alléluia. Il allait prendre Pierre, mais il pas n'importe quel pied, dans un tourant d'eau. Voilà. Les pieds, on les ramasse partout. We can even mais pourquoi c'est dans l'eau? But why did he take this stone? Parce que l'eau, c'est symbole de la parole. Water is c'est dans le tourant d'eau qu'il avait pris la pierre. Et c'est cette that pierre là qui tournait pour tuer Goliath. But he needed it. Amen. He didn't take c'est pas les graviers, la pluie qu'on ramasse à terre. C'est dans the stone. Cette année, je vous donne, j'ai rentré dans les révélations. L'eau joue un grand rôle dans la vie de l'homme. L'eau joue un grand rôle. C'est dans l'eau qu'il allait prendre l'eau. Je souffre des vies. Il part dans un tourant d'œil, puise la pierre. C'est cette pierre qui a fait tomber Goliath. Pourquoi toi, ta pierre ne fait pas tomber ton Goliath? Goliath l'a hérité son mec. Il est mort sur graisse. Goliath a déjà fait marcher. Si moi je n'étais pas si. If I was not really seated. Il y a le temps de venir manger un sauce plat. Voilà. I could have been killed. C'est quelle sauce tu veux manger? Jumblé ou bien graisse. C'est quoi tu manges? Bien. Il est content quand tu manges. Il te demande de. C'est quelle sauce tu aimes bien manger? Hein? Non, et moi je chante pour mon travail, il faut me répondre. On me dit qu'il faut laisser. Tu aimes quelle sauce? Hein? Vous mangez, mais toi-même tu aimes quelle sauce? Non, c'est ce que vous mangez. Toi-même, tu aimes quoi? Quelle sauce? Non, c'est ce que tu manges, mais tu aimes quelle sauce? Parce qu'en Côte d'Ivoire, il y a Djumbé, il y a Popé, il y a Sodré. Sauce à la chie, sauce à pistache, il y a quoi encore? Chioco, il y a Tigriti. Toi, tu aimes quelle sauce? Il y a Bangouin. Vous mangez souvent Bangouin. Mais vous mangez ça, peut-être que tu n'aimes pas. C'est qu'un guéri qui n'aime pas Bangouin. Pourquoi faire de manière à quelle sauce? Qu'est-ce que guéri qui n'aime pas? Tu aimes quelle sauce? Je vous ai dit. C'est poulet. Et puis il y a quoi à côté? Il y a pas. Si il n'y a pas bas, il dit que ce n'est pas un bon guéri. Amen. Si il n'est pas de l'eau en moi. If I don't have water in me. J'ai la source de vie. Source of life. Non mais tu. I could have been killing. Could have been killed. Allez puiser dans le torrent. Go and take. Allez puiser dans le torrent. Water, the stream of water. La parole de Dieu. The word of God. The Bible. It's the stream of water. David n'a pas pris n'importe quel pied. Sort of le diable arrive à vous faire. Stone is stream of water. Vous présente une situation, ça vous the panique. Devil can even present you a situation. Quand quelqu'un est mûr, aucune situation ne fait paniquer. No situation. C'est ça que Moïse, c'était tellement mieux qu'il a dit. But so one is that he said. Gardez le silence. Came je sais silent. Qui est Dieu. I know who is God. Parce que quand je lis la parole, because when je sais qui est Dieu. The word, I know who is God. C'est l'Égyptien, vous voyez là. The Egyptian statue can vous see n'allez plus jamais le revoir. You'll no more see them. C'est ça que quand quelqu'un est mieux, il ne panique pas devant une situation. Never. Si tu continues, tu commences à lire la parole de Dieu, être enraciné, à connaître la parole de Dieu, tu vas connaître Dieu, découvrir Dieu. Ça va beaucoup t'aider. Ça va t'amener une maturité. Le fait que quand tu connais Dieu, tu n'as pas peur. So that you cannot be afraid anymore. C'est-à-dire que vous avez votre père avec vous. As to say, you have your father with you. Et vous avez peur. C'est comme un enfant qui marche avec quelqu'un qui est plus grand. Like et puis la peur d'être plaisanté.
And if he is a friend of mine, if I didn't have God in my life, When you start reading God's word, Tu as gratté en bas, on met sauce en bas pour mériter la soupe. Ça fait gratin, tu manges. Matin, ce matin, tu es bien. Quand tu vas, tu gagnes sur le terrain. Alléluia. Et mon ami là-bas aussi, c'est ce qu'il mange. Il est dans le même camp. Et tu lui donnes le croissant, il va jeter. C'est pour moi. C'est pour les Français. C'est ce qu'on mange quand on a diabète. Je viens au village, je vais manger pain, beurre. Il y a diabète dans son sang. Amen. Amen. Quand vous levez matin, après la prière, intéressez-vous à la parole. Nous venons de commencer l'année. Appuyez-vous sur la parole. Abreuvez-vous. Prenez la parole de Dieu. Alimentez-vous tous les matins. C'est comme une voiture qui a besoin de carburant. When you don't have spiritual water, you it's like. Quand vous arrêtez de vous alimenter la parole de Dieu, vous êtes des morts vivants. You're dead. Combien de fois tu fais des amours sans lire la Bible? Ça veut dire que tu es déjà mort. Without reading the Bible. Donc le diable vient jouer sur ton territoire. So, Bible, les sorciers disent, bon, c'est lui là qu'on doit manger. Tu te débats, dis, bon, il n'a plus de force. Vous savez où le diable, vous savez où, où, où le lion attrape ses pieds? Qui connaît? Catches. Hein? Près de Kurondo. Where the lion. Ceux qui connaissent, me connaissent très bien, ils savent que j'aime deux chaînes sur la télé. National Géographie France 24 pour les informations et puis j'irai ma soeur pour apprendre comment les animaux vivent. C'est merveilleux. Le lion là, il est convaincu que s'il est près d'un marigot, il va attraper chez lui. Il faut manger jusqu'à là-bas. Moi, tu as venu quoi? C'est comme ça. That's the way. Faut aller manger. Mais l'eau. Il va venir boire. Or lui, il est là. Il regarde. Celui qui vient boire, il dit rien. Il étudie. Il étudie, jette un coup d'œil. Et qu'est-ce qu'il fait? Voici la stratégie du diable. C'est comme le lion. Il grogne. Et puis il les laisse partir. Il les laisse courir. Hein? Et puis il guette le plus faible. Est-ce que vous êtes... Allez regarder, vous pas fâcher les bois, les marinas, vous pleurez seulement. Comment vous faites pour tromper les garçons? Comment ça c'est mensonge, sorcellerie. Et regardez la soirée, je vous allez apprendre. La nature, c'est des enseignements, la nature. Lui il grogne, il est convaincu que si il se jette, il ne va pas gagner un. Donc il grogne, puis il regarde. Quand il regarde, celui qui n'a pas les vrais paillis, bon, lui, il faut qu'il l'attrape. Donc le chrétien qui n'est pas alimenté, qui est maigre, mec chétif, c'est celui-là que le diable mange, comme coquette. Is the one that can be caught by the devil. That is your problem. Tu n'es pas bien alimenté. It's not, you're not correctly. Tu as péri spirituel. Fédéral. Ça toi te marche. Parce que tu pries. Because the prayer. Tu n'es pas ressourcé. That you're not fed it. Tu ne t'appuies pas sur la parole. You don't focus pour chaque fois on va de l'eau. Pour chaque fois on va de l'eau. Si l'homme manque un temps, c'est la mort. C'est pour ça que Jésus, bien qu'il soit la That's croix, why Jesus, ce qui est sorti de Jésus, came out. Il n'y a pas encore rien. The man was water. But what about you? Il n'y a pas de parole. No. Face aux attaques. Qui ne met même pas parole. C'est pour ça que cette année, nous devons commencer déjà à lire.
We need to start. Fais un effort pour lire tout le Nouveau Testament. Make an effort to read. Fais un effort que chaque jour que Dieu New fait, Testament. Quand tu sors de ton lit, make an effort so that il faut qu'il y ait la parole de Dieu juste à côté. Bed, il faut commencer à méditer cette parole. Your side and start thinking about this. Si vous maîtrisez la parole, if you master God's word, le diable va commencer à avoir peur. The devil will be afraid. Parce que le diable sait qui tu es. Because he knows who you are. Il sait qui tu es. He knows. Le seul problème c'est que tu n'es pas mûr. Is that you're not donc une parole de Dieu en toi. No words of God. Fais, non. Oh, c'est des situations où tu as besoin de rappeler les promesses de Dieu. There are some situations when you have to remind God's promises. Quand tu dis au diable, malgré tout, voici ce que la Bible dit. Here is the, what the Bible says. Pourquoi? Parce qu'il est convaincu que ce que tu viens de dire, c'est une promesse. What he just has to say is a promise. Et quand tu rappelles ça à Dieu, when you remind it to God, God is right to act.